Bonjour. Et bonjour à tous, nous sommes Yuri et Alban, couple de coachs sportifs amoureux, mais aussi amoureux de la vie. Notre mission, c'est vraiment vous aider à mincir et à vous vider la tête grâce à la magie du sport et de la méditation. Et ça seulement en 4 séances de 15 minutes par semaine. Voilà, puis c'est très court, c'est des séances qui vont durer une quinzaine de minutes, 7 minutes de sport, 7 minutes de méditation. Tu n'as pas besoin d'être sportif de haut niveau, tu n'as pas besoin de savoir méditer. Au contraire, franchement, prends le cool et rejoins-nous. Allez, c'est parti, on attaque. On attaque de suite. Donc aujourd'hui, on va travailler sur 30 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération et on va faire 3 rounds. Ça vous Ça va va? On va être travailler court mais intense. cardio, renforcement musculaire principalement du bas du corps, le popotin et les cuisses aujourd'hui. Oh, il y aura un petit peu des bras. Vous pouvez faire ça avec vos poignets pendant le temps qu'on vous explique les exercices. Allez, à tout de suite, on envoie le timer. Le premier exercice, c'est un nom à coucher dehors, il s'appelle le coucher debout. Donc, on est au sol. On va tendre une jambe derrière Ou en sautant. ou l'autre. On se couche sur son tapis, on ramène une jambe à l'extérieur du genou et l'autre et on peut jumper. Bon, il s'appelle plus précisément le burpees, hein. Donc choisissez l'option qui vous convient, soit avec le saut, soit sans le saut. Descendez doucement. Avec moi, c'est l'option la plus dure. Ouais, Alban a choisi toujours les options les plus dures, allez. Allez, folle. Oh, pas surtout quand même. Allez, allez. Un dernier pour la route. On se couche, mais attention, on se relève. Hey! Bravo. Le deuxième, on va se mettre en position sumo squat, les genoux bien ouverts, et on va décoller une pointe de pied et l'autre. Petit mouvement de balancer, de gauche à droite. Fais attention à garder le dos bien droit, à ne pas être penché en avant ici. Les fesses en bas, le ventre rentré, surtout le bas du ventre. Et relève bien tes pointes de pied pour sentir ton popotin qui chauffe bien sur l'exercice. Ouvre bien tes hanches pour sentir aussi les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ah là là, c'est que du bonheur celui-là. Impec. Donc le prochain, on va être sur des sauts latéraux. Soit avec les sauts, soit je remonte sans saut. C'est-à-dire un petit squat de gauche à droite. Ok, vous choisissez l'option. En fait, c'est un petit pas chassé que tu mets au milieu. C'est ça, hein, Yuri? Oui, c'est ça. On dirait qu'on fait VLM 6 ou c'est pas sorcier. C'est ça, hein, Chami? Oui, c'est bien ça. Donc, tu peux choisir bon, de passer d'une option à l'autre, hein, si tu veux. Si tu le fais en pas chassé, fais-le en accéléré avec moi. J'étais au rythme de Yuri, je me disais, il y a un problème. Je saute, il saute pas. Allez, go! J'ai encore la séance des 7 minutes de la dernière fois dans les jambes. Très bien, voilà. On repart à zéro sur le coucher debout. On est prêt, on y va. Allez. Go! Allez, on essaie de faire un peu plus rapide que la fois précédente. Les jambes bien à l'extérieur de tes bras si possible. Tu peux les compter pour que ça te motive à en faire plus la prochaine fois. Allez, encore. Allez, sois forte. Ça dure pas longtemps. Donc donne tout. C'est court, c'est bon, c'est intense et c'est efficace. Ouh. Tu sens un petit peu ton cardio qui grimpe, ton cœur qui bat la chamade. Attention, on se met en sumo squat. Allez, petit balancer. Allez. C'est dur, mais ça dure pas longtemps. Tu as 7 minutes à bouger avec nous, 7 minutes intenses. Tu vas y arriver, on est sûr. Tu as déjà fait plus de la moitié. Allez, tiens bon. Garde ce dos droit, voilà, fesses en arrière. Sens bien le poids de ton corps sur tes talons. Oui. Bien joué. Tu fais laquelle, l'option sauter ou sans saut? Sauter, ouais. Ok, moi sans saut. Je suis d'attaque ce matin. Allez, je pars à droite. Tu... C'est bon? Voilà, c'est bon. On se synchronise. Bon, attention de ne pas avoir le genou qui rentre vers l'intérieur hein, quand tu descends sur ta flexion. Essaye de bien écarter tes genoux. Et toujours le poids du corps dans les talons. Allez, du rythme. Ouais, bien comme ça. Allez, suis-nous. Allez, petite accélération. Oh,
Bien joué. Un maximum de pouces pour toi. On part sur le troisième et dernier tour déjà. On s'accroche. On y va. C'est là que ça commence à être marrant. Couché. Debout. Allez, avec nous. Couché. Debout. Ça, c'est le meilleur mouvement pour ne pas rester couché, ça, ce matin. Allez. Maintiens bien ton gainage quand tu descends. Et relève-toi fier. Fier de toi. Fier de faire cette séance avec nous. Ensemble. Allez, go. Un petit bonus. Un petit bonus. Oh oui. Bien, c'est joli, ma chérie. Ah, ça repart dessus sur le sumo. Allez, go. Le short. Ah là là. Sens ton cardio, là, qui monte dans les étoiles. Pour taper dans le gras. Et muscler tes jambes. Allez. Allez, allez, encore, encore. Ça brûle. Plus ça brûle, plus c'est bon. Plus ça agit en profondeur. Ah, plus qu'un. Comment ça va de ton côté? Prêt à faire le dernier? Allez. Mince, c'est celui-là. C'est moi, j'ai le cerveau qui ne suit plus là. C'est bien. Parce qu'on commence à déconnecter. Tout le sang est dans les cuisses. Allez, encore. Allez, allez. On se finit là-dessus, les amis. C'était dernière seconde là. Peut-être avant un petit défi quand même. Petit défi. De quoi tu parles? Un petit défi. Bravo. Bravo les amis. Qu'en dites-vous? Un petit défi. Hop, je coupe le timer. Un petit défi abdos pour finir ces 7 minutes workout en beauté. Moi, ce que je propose, c'est une planche avec toucher épaule opposée, histoire de travailler son gainage, ses abdos et en dynamique. On part pour une minute du coup. Ouais. Allez. Je vous montre le mouvement. Je vais mettre un peu sur le côté pour que vous voyez bien. Donc on est en planche, jambes tendues. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser les genoux au sol, il n'y a pas de problème. Et là, on vient toucher son épaule opposée sans décoller ses hanches. On essaie de garder le bassin bien dans l'axe du tapis. Ok? Départ dans 10 secondes. Si on n'a pas récupéré de la séance, c'est normal. C'est fait pour. Allez, on se dépasse ensemble. Go. Allez, viens toucher ton épaule opposée sans décoller la hanche. Focus abs. Allez, tiens bon. J'adore avoir chaud vite comme ça. Ouais. Vous avez vu la température du corps comme elle monte vite sur de l'intervalle training comme ça? Pas besoin de faire des heures et des heures de cardio. Simplement 7 minutes, ça suffit à remplacer votre jogging d'une demi-heure. C'est vrai. Psychologiquement, c'est plus facile de se motiver. Ah, sur 7 minutes, c'est hyper facile à intégrer dans son planning. Surchargé. Allez, on tient. Encore un effort. Allez, allez. Tu t'es pas planté sur le timer, ma chérie? Non, j'ai mis une minute. Elle aime bien faire des petites blagues des fois. Ouais, mais là. En fait, c'est 7 minutes abs. Tu vois? Ok. Yes. Génial. C'est passé vite. Passé hyper vite. Bravo à vous. Voilà. Simple et efficace. Je crois que là, c'est le moment maintenant idéal pour se détendre. Maintenant qu'on s'est bien dépensé, qu'on s'est bien surpassé, qu'on a commencé à se vider l'esprit, je crois que continuer dans cet état d'esprit, ça va nous faire le plus grand bien. Alors par contre, il va falloir que je fasse descendre mon cardio pour guider la méditation. Suivez-moi sur un petit étirement de secondes pour faire redescendre la température. On tend le bras droit et on se penche sur la gauche. On respire profondément. Ok, relâche. Et de l'autre côté. Ouh.
Respire. Et on va enrouler vers le sol. Tu relâches la tête, le dos, les épaules, la tête en bas. Souffle. Encore. Lâche la tête, plus lourde. Fais sortir les pensées, les tensions. Relâche ton dos. Ok, tout doucement, tu plies tes genoux, tu mets ton poids du corps franchement dans tes talons et tu déroules ta colonne vertébrale. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Tranquillou, pilou. Ok, tu t'étires vers le plafond. Tu pousses le ciel avec tes paumes de main. Tu peux rapprocher un peu tes jambes. Étire, 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 étire. Et souffle, relâche, ça fait de l'air. Ouais. Encore une fois, étire, inspire. Et souffle. Ok. Je vais t'inviter à te mettre debout, assise, allongée dans une position confortable pour toi. Ça va durer 5 minutes. 5 minutes pour te vider la tête. Le sport a ouvert les portes à la détente, à la relaxation. Donc je te propose de profiter de toutes ces sensations corporelles exacerbées par l'activité physique pour te reconnecter à ton corps, au battement, pardon, de ton cœur, à ta respiration. Et je te propose pendant quelques instants d'écouter le silence, le bruit du silence entre chacun de mes mots, entre chacune de tes respirations. Et peut-être que le bruit du silence t'invite à fermer doucement tes paupières si elles ne s'étaient pas déjà fermées sous le poids de la détente. Tu vas relâcher tes épaules et regarder le ciel dans ton imaginaire. Tu peux observer quelle est la météo de ton ciel aujourd'hui, sachant que chaque ciel est à prendre tel qu'il est aujourd'hui. Si c'est nuageux, gris, brumeux, voilé, ou au contraire ensoleillé, je t'invite à le prendre tel quel. Et puis peut-être qu'il y a des pensées parasites, des choses qui t'obsèdent en ce moment. Peut-être même des angoisses ou des incertitudes qui restent constamment en bruit de fond et qui t'empêchent d'entendre le bruit du silence, qui t'empêchent de faire le calme à l'intérieur de ton esprit. Et je te propose de gonfler un ballon de baudruche pour chacune de ces pensées obsessionnelles, pour chacune de ces tensions et de ces sources de stress. Alors, tu peux te retrouver avec un bouquet de ballons colorés, un seul ou plusieurs, et tu vas les nouer avec une ficelle. Il y a beaucoup de gaz dans ces ballons. Tu sais, ce truc impur qui t'empêche de bien respirer, tu l'as mis dans le ballon, ce qui fait que les ballons ne demandent qu'à s'envoler dans le ciel. Alors, si tu es prête, un par un, tu vas pouvoir les lâcher et les laisser s'envoler vers le ciel. Le rouge, le jaune, le vert, le violet, le orange, le rose. Regarde-les s'envoler les uns après les autres et ressens comme ton corps devient de plus en plus léger, comme ton esprit semble se libérer. Écoute le silence, car un ballon qui s'envole ne fait pas de bruit. Au contraire, il détend l'atmosphère et le temps, semble s'approfondir. De par la lenteur avec laquelle le ballon semble s'envoler de plus en plus haut, ses formes ovales
que tu voyais distinctement partir vers le ciel. Non plus de couleur à cette distance. Et tu vas les voir traverser les nuages et devenir des petits points. En traversant les nuages, ils ont laissé un trou dans ceux-là, de plus en plus grand, de façon à ce que tu peux voir l'immensité de l'univers derrière ces trous. Et ces petits points, qui étaient les ballons, deviennent des étoiles dans le ciel. C'est comme si tu avais confié tes problèmes à l'univers, à la vie, à quelque chose de plus grand, à la galaxie étoilée. Et si tu fais un vœu maintenant, ce sont plein d'étoiles filantes que tu vas voir apparaître sous tes yeux. Mais c'est parce que tu fais un vœu que celles-ci apparaissent et non l'inverse. Car dans ton imaginaire d'adulte, tu peux créer ta nouveauté, créer tes nouvelles croyances, créer ce en quoi tu veux croire fort. Alors, prends un instant pour respirer le calme, entendre le silence et apprécier cette pluie d'étoiles qui n'est là que pour exaucer tes vœux les plus profonds. C'est avec le cœur léger et le sourire aux lèvres que tu vas pouvoir revenir à ton corps et à ton esprit, à la fois chaud et calme. Tranquillement, une profonde inspiration. Une profonde expiration vont t'aider à revenir ici maintenant avec le souvenir précieux de tous ces vœux que tu viens de déposer dans le ciel. C'est bon, tu as fait ton lâcher de ballon ? Oui. Il y avait plein de lampiotes qui brillaient dans le ciel. Ouais, j'ai pensé à ça moi aussi, tu sais, à la cérémonie des lanternes. La cérémonie des lanternes, oui. Ben là, c'était la cérémonie des ballons qui vide la tête. Le remix, belle positive expérience. Ben voilà, on espère que vous avez passé un bon moment, et surtout que le corps est chaud, que la tête est vide et que l'air circule librement dans votre corps. Moi, c'est Yuri, il dort. Bon, passez une belle journée. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours, savoir comment vous êtes senti après cette séance. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Prenez soin de vous et tous à la douche maintenant. Froide et on reste tous ensemble et... tous en forme. Et maintenant, à la douche froide.